Thank you.
Du mois passé. Scandaleux! Il doit faire des affaires, l'augure de Vénus. Évidemment, il n'en a que pour elle. C'est depuis le concours du mont Ida, depuis qu'elle a vaincu Minerve et Junon grâce à ce berger, ce Paris. Et sous les yeux de Jupiter, notre père, qui maintenant est dans une de ses baisses. Trop de fleurs, ami, trop de fleurs! Ça n'est plus un sacrifice, c'est un terflora! Une déesse? Non! Presque. Enfin bref, il y a un pépin. La journée sera chaude. L'anniversaire. L'anniversaire. La fête d'Adonis. Ce jour, Vénus, filant le secourir, déchira ses petits pieds et de son sang colora les roses qui n'étaient que blanches avant l'événement. Cette histoire est d'un poétique. À propos, tu porteras ce bouquet à la petite Mégara, celle qui tient le magasin Hercule près du temple de Bacchus. Ah, tristes offrandes, sinistres offrandes, tais-toi! La journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis, guidées par notre splendide souveraine. Écoute nos Vénus, Vénus, la pluie.
les damnées, j'ai sacrifice. Oh, le sacrifice attendra. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voyons. Il y a... Vous allez dire que je suis folle comme l'autre fois. Ouais, jamais. Le respect. Calcas. L'histoire du mont Ida. J'y pense sans cesse. Ce bois, ces déesses, cette pomme et ce berger. Ouh, ce berger! Vous n'avez pas eu de nouveaux détails? Non, reine, désolée. Bon, le sacrifice... Oh, Calcas, dites-moi, redites-moi. Pour remercier ce berger, Vénus lui a promis l'amour de la plus belle femme du monde, oui? Oui? Oui, je vous dis, c'est officiel. Et la plus belle femme du monde... C'est vous! Oh, taisez-vous! Taisez-vous! C'est elle! Par mon père! Toujours elle! Elle? Qui elle? La fatalité! La fatalité qui vit près de moi! Ça, au moins, c'est vrai. Bien, grande reine! Ma naissance, Calcas! Mon hérédité, vous la connaissez? Ce signe claqué par un aigle que lui de son vin dans ses bras! Ce signe, c'était mon père! Comment voulez-vous que je sois une femme ordinaire? Asseyez-vous, Calcas! Aidez-moi, vous qui connaissez les égarements de ma jeunesse. Après tous ces naufrages, j'avais cru arriver au port. C'était Ménélas. J'ai tout fait pour l'aimer, tout, tout, tout. Je n'ai pas pu, hélas, je n'ai pas pu. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va devenir, Dieu? J'aurais tant aimé une vie calme et bourgeoise à Mytilène. Pourtant, c'est Vénus qui ordonne, et la fatalité, la fatalité. C'est une excuse. C'est toi, en tant qu'Alcas, le peuple qui m'accuse, et qui, suivant mon char, immense et belle foule, crie, ça, ça n'est pas une reine, c'est une poule. Une poule? Est-ce ma faute à moi si je suis la fille d'un oiseau? Non, bien sûr. Mais rentrez, rentrez, grande reine. Voici venir Oreste. Oh, mon chou de neveu. Oui, et assez mal accompagné. C'est de famille, les Atrides. Il est sans doute avec Parthénis. Elle n'est pas vilaine, cette Parthénis. Il n'y a vraiment que ses filles pour s'habiller comme ça. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis, Elena! 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 Regardez ces petits nez roses, petites mains et pieds mignons, et toutes ces petites choses qui font les grandes passions. C'est Parthénis, Elena, qui m'a dit de vouloir connaître. Pouvais je m'attendre à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis, Elena! C'est Parthénis, Elena! C'est Parthénis, Elena! Tchin-la-la! Ouh, y'a qu'il fallait, qu'il fallait, oh la la! Tchin-la-la! Tchin-la-la! Ouh, y'a qu'il fallait, qu'il fallait, oh la la! Tchin-la-la! Tchin-la-la! Ouh, y'a qu'il fallait, oh la la! Tchin-la-la! Tchin-la-la! Ouh, y'a qu'il fallait, qu'il fallait, oh la la! Tchin-la-la! Tchin-la-la!
connaître. Pouvais-je m'attendre à cela, mesdames, je viens en heure d'aigre. C'est Artemis, Elena. C'est Artemis, Elena. C'est Artemis, Elena, c'est Artemis, Elena. C'est Artemis, Elena. C'est Artemis, Elena. C'est Artemis, Elena. Le sacrifice. C'est la reine elle-même qui préside la cérémonie. La reine, ma tante Hélène, elle n'est pas très bien placée. J'adore ! Très bien, ne nous fâchons pas. Nous nous inclinons et nous partons. Ciao, Calcas. Bisous à ma tante. C'est le fils d'Agamemnon. Oh, la folle jeunesse. Moi aussi, autrefois, j'aurais pu. Hélas, les dieux n'ont pas voulu. Bon, maintenant, au sacrifice. Monsieur, c'est vous le devin de Jupiter? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Excusez-moi, mais je suis occupé. Occupé. Un sacrifice extrêmement en retard. Ben, le sacrifice attendra. Pardon? Vous voulez peut-être que je vous tire les cartes, comme dans les faubourgs de Phrygie? Quel devin! Vous avez reçu la lettre de Vénus? Pas du tout, monsieur. Un fou, il ne manque plus que ça. Ah, c'est bizarre, la colombe est partie avant moi. Au secours! Vous ne me croyez pas, monsieur? Alors, regardez. Quoi? Là, dans l'azur, ce petit point qui grossit. Eh bien, c'est un oiseau! Eh bien, c'est ma colombe! Et c'est ma lettre. Par Vénus! Comme vous dites. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Elle demande s'il y a une réponse. Il n'y en a pas. Le timbre de Cythère! C'est bien de Vénus? Vénus. Homme de 20 ans à la tête blonde, un berger vient de gras. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors qu'emparaîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà ». Voilà. Alors, c'est vous, Paris, le fils du roi Priam, le frère du grand Hector, mais vous savez qu'on parle de vous partout, partout, les télés, les journaux, les oracles, partout. Alors, c'est vous ce jugement? Eh oui, c'est moi. Et donc, vous avez vu la déesse? Comme je vous vois. Enfin, et... ça ne vous embêterait pas de... De quoi? De me donner un petit aperçu. Mais pas du tout, monsieur. Écoutez l'aperçu. Homonide à toi, déesse, se querelle dans un bois. Elle disait ce
Samaton est une pomme, vous voyez bien le tableau. J'obéirai. Mes oracles et moi sommes à votre service. Faut-il vous présenter tout de suite à la reine? Oui, mais sans dire qui je suis. Lors qu'emparaîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant... Voilà! Je vais l'interroger. Puisque Vénus ordonne, c'est la fatalité. Oh, pourquoi suis-je troublée ainsi? Pourquoi? Jeune homme. Princesse. Les dieux, parfois, s'amusent à se présenter sous un déguisement. Je ne suis qu'un mortel, un berger. Un berger? On m'a dit qu'il y aurait un concours. Je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer. Par ta beauté. Par mon intelligence. Très beau de face. Bon, merveilleux de profil. Superbe de trois quarts. Lève un peu la tête. N'ouvre pas la bouche. Voilà, comme ça.
La vache, c'est beau un beau berger. Ferme la bouche. Oh, Vénus. J'oublie tout à t'admirer. Quelle heure est-il? 3h25. Tiens, j'ai 2h15. 3h25? Et la cérémonie qui va commencer? Reine, attention, le cortège! Il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Oh, vous me reverrez. Reine, voici les rois qui viennent. Allons, cindre le diadème et remettre un peu d'eau, tu sais. C'est très tendance à Sparte. Ça va, 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 ça
quelque chose de l'intelligence. Des forts, des braves, nous en avons. Les deux Ajax sont forts, le bouillant Achille est fort, moi-même. Ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons plus, ce sont des gens d'esprit. La Grèce s'abrutit. Achéens, mes amis, il ne s'agira pas aujourd'hui de lancer le char ou de conduire le disque. Jeunes élèves, rois, poètes, bergers... Bergers ? Tous sont également admis à disputer le prix. Et vous, fanfares, sonnez pour mon éloquence en attendant le triomphe du lauréat. Bravo, papa ! Nous commençons. Ménélas, mon frère, veuillez donner lecture. Avec cœur. Et mon premier est le lac chez les voisins d'Albion. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Mon troisième est quand cuit le poisson, empêche l'odeur du graillon. Mon troisième, c'est hot. L'abrutissement n'est pas aussi complet qu'on pourrait croire. Continuez, roi Ménélas. Et mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout, par les chemins, s'en va comme le vent. C'est terminé. Fini. Très bien. Allez-y, jeunes athlètes. Anecdotique. Oh, maillotée. Carotte. Oh, maillotée. Carotte. Hey ! Qui a dit anecdotique ? Moi. Et pourquoi ? Anne, d'abord, pourquoi ? Le roi a dit, c'est vous ou moi ? Oh, ça vous aide un peu de loin, hein ? C'est la deuxième syllabe, cher ami, pauvre garçon. Et qui a dit en mailloté ? Moi ! Mais je le retire. Ouais, et ben, si j'ai un conseil à donner à celui qui a dit carotte, c'est d'en faire autant. Mais pourquoi ? Et car enfin, il y a hôte dans carotte ! Dans carotte, il y a hôte ! Cherchons de plus malin. Personne ? La charade. Ah, jeune prétentieux! C'est vrai qu'après des rois, ça ne fait pas. Bref, parle, vite, nous t'écoutons. Mon premier est le lac, chez les voisins d'Albion. Locke? Oui, oui, c'est ça. Mon deuxième, c'est vous ou moi? Homme. Oh, oui! Homme! Mon troisième, quand cuit le poisson, empêche l'odeur du graillon. Oh, tout le monde l'a dit! Oui, et ben je t'attends au quatrième, moi. Il est bête, le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air. Yves. Locke, homme, hot, Yves. Oh. Locomotive ! J'ai trouvé ! Oui, locomotive, et c'est fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention des chemins de fer. Ouh, et c'est moi qui l'ai dit ! Ah, chier, vous commencez ! Taisez-vous ! Le berger a gagné ! Vainqueur ! C'est mon vainqueur ! Papa ! Papa, on l'a connu ! Papa ! Et maintenant les bourrimés. Les bourrimés, deuxième épreuve, Ménélas, lisez les rimes. Me voici. Chaîne-toi, peine-toi. Chaîne-toi, peine-toi. Chaîne-toi, peine-toi. Allons-y, mes poètes. Enfonçons le berger. On redemande les rimes. Chaîne-toi, peine-toi. À moi, messieurs. C'est un quatrain. Toute chaîne a deux poids, toute peine en a trois. Vous comprenez, Ménélas ? Pas du tout. Mais c'est joli, c'est doux, ça ne veut rien dire, mais c'est joli. Vous ferez école, hein, Jacques ? Ah, moi ! Oh. Attachez-moi avec une grosse chaîne. Mettez-moi sur le dos une quantité de poids, et malgré tout ça, je m'en irai sans peine
jusqu'à 3. Ce ne sont pas des vers. Mais pourquoi? Oh, c'est toute une éducation. Nous n'avons pas le temps. Assez de rois. Le berger, le berger, le berger, le berger, le berger. On me redemande? Yes. Quand voilà qu'elle parle grec. Et je consens. Parle. Et moi, je dis, quand on est deux, l'hymen est une chaîne dont il est malaisé de supporter le poids. Oh oui. Mais on la sent peser à peine. Quand on est trois. Je n'ai pas tout compris. Mais c'est bien tapé. À vous, berger, la couronne de laurier. Vaincu par le berger, quel est donc ce Kidan? Ce Kidan est Paris, le fils du roi. Au ciel, au ciel, au ciel, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme, l'homme à la pomme. Yeah.
Merci, mon bon Calcas. Philopome, à l'ouvrage! La foudre gronde, et voilà le monde tout interloqué, oui, tout interloqué. Dans sa maman, il se rembourse mon arc fâcheux d'être absent.